السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va faire la correction du contrôle numéro 2, semestre 2, physique chimie, troisième année, collège BIOF. On commence par l'exercice numéro 1, complété par ce qui convient de la liste des mots suivants. Sens, intensité, direction 2. Lorsque un objet est soumis à l'action de deux forces, cet objet est en équilibre si les deux forces ont la même intensité et la même direction. Et deux sens opposés. Deuxièmement, coché par une croix, les cas où l'objet est en équilibre. Alors, d'après les conditions d'équilibre, d'un corps soumis à deux forces, donc les deux forces ayant le même action, même intensité, deux sens opposés. Il a dit, il donne les deux forces, un dôme même ligne, ils ont le même support, et deux sens opposés, ils ont deux mêmes tailles. Et donc même, il a la longueur de chaque vecteur, même taille, donc là, c'est un cas d'équilibre. Imaginez là, les deux forces, un dôme, deux sens opposés, voilà qu'il met un dôme, même intensité aussi, les deux vecteurs ayant le même de même taille et deux lignes d'action différentes. Il donne les deux forces un dôme même ligne d'action deux sens opposés et même taille. Donc là, c'est un cas d'équilibre. Troisième question, répondez par vrai ou faux. Nous exprimons l'intensité du poids d'un corps par la relation P égale M fois G. Donc c'est vrai. L'intensité du poids d'un corps change avec le lieu et la hauteur. Oui, c'est vrai. Nous mesurons la masse d'un corps à l'aide d'un dynamomètre. Donc ça, c'est faux. À l'aide d'une balance. L'unité international de la masse, c'est le gramme. Donc ça c'est faux, c'est le kilogramme. L'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Quatrième question, complétez le tableau ci-dessous. La grandeur physique, la masse, le poids et l'intensité de pesanteur. Le symbole de la masse, c'est petit m. Le symbole du poids, c'est P. L'intensité de pesanteur, ça, symbolisé par la lettre G. L'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Le poids, donc, c'est une intensité de force, ou bien d'une force, c'est le newton.
L'intensité de pesanteur 6 newtons par kilogramme. On passe à la cinquième question. Quels sont les bons formules? La ramabine, le coutela, ou le wazn taqala, yani la relation entre la masse sur le poids et l'intensité de pesanteur. P égale M fois G. Donc, elle dit ça. نعم اذا عندنا واحد لا غولاسيون اللي هي صحيحه دونك عندنا الثاني هذه بي كتساوي ام فوا جي اذا جي فوا ام ولا ام فوا جي دونك سي لا ميم شوز الضرب تبادلي اون باس ا ليكزارسيس نيميرو 2 ان بالون دو ماس ام ايغال 400 كيلوغرام اي سيسبوندي بار ان فيل اي اون ايكيليبر comme le montre le schéma suivant. Donc, maintenant, le schéma là. Le système étudié, c'est le ballon. Il y a un de le ballon. Il y a un ballon. Il y a un ballon. Il y a un support. Il y a un schéma qui est là. J'ai ici le point, le centre de gravité du ballon, et A, c'est le point de contact entre le fil et le ballon. Donc, le thème est bien le chait ou le courant. Faire le bilan des forces exercées sur le ballon. Il y a les forces dans le système étudié ici sur le ballon. Le système étudier c'est le ballon. Et donc, dis-moi qu'on a le système étudié, parce qu'on a fait le chemin canadro. Une fois, parce que le mot sahih, tu vois, tu fais un chemin. Yani, le mjmoua, on doit le ça, ou là, le jism, on doit le ça. Et donc, ben, c'est le force, on a F. La force exercé par le fil sur le ballon. Deuxième force, c'est le poids. P, le poids du ballon. C'est-à-dire la force exercée par la terre. يعني القوة المطبقة من طرف الأرض على الكرة. Calculer l'intensité de poids P du ballon, sachant que G de terre égale 10 newtons par kilogramme. On sait que إذا هاد العلاقة ضروري خاصكم تعقلوا عليها اللي هي P كتساوي M فوا G. هذه ضرورية هذه مهمة. Et dans l'application numérique M, 400 grammes, yani on va le kilogramme, il y a 4 kilogrammes, on va le multiplier par 1000. G, 10 newtons par kilogramme. Et dans l'application numérique, on va dire P, 4 newtons. Déterminer les caractéristiques du poids P du ballon. Et donc, les caractéristiques qui m'a fait le cours, on m'a rebâché. Et donc, nous devons le voir. Yani, la ligne ou bien le point d'application. Le point d'application. Nous devons tirer. إذا نقطة التأثير هي لو بوا يعني سي اون فورس ا ديستونس يعني لو بوان دابليكاسيون هي جي لو سونتر دو غرافيتي دو بالون
إذا الشكل ديالنا بحال هكذا، لو سيبور فوالا، وعندنا لو بالون فوالا، وعندنا لو سونتر دو جرافيتي هو جي، و أ سي لو بوان دو كونتاكت انتر لو فيل و لو بالون. كوم سا. دوزيام كاركتير سي la ligne d'action, ligne d'action. La ligne d'action, c'est la verticale passant par G. Par G. Et ici, le point d'application 3, le sens, yani toujours le poids du bas vers, ou bien du haut vers le bas, ou bien de G vers le bas. C'est la même chose. De G vers le bas. Yani, من الأعلى نحو الأسفل. نحو الأرض. 4 l'intensité. L'intensité. Déjà, حسبناها بي كتساوي ام فواج جي اللي هي بي كتساوي 4 نيوتن. 4 نيوتن. Then, on passe quatrième question. Rappelez les conditions d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces, ou bien soumis à deux forces. Les deux forces ont même. Ligne d'action. Il y en a même intensité. Intensité. Deuxième condition, les voies de sens opposé. De sens opposé. Mais le moteur qui s'en va, ne sera pas tiré, ne sera pas. Que conclut les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le ballon. Il donne d'après les conditions d'équilibre. Radin Choufou, Bensbal 1, 2, 3, 4. Il donne les deux forces, un dôme, la même intensité. Donc, Radin Dilon, il y a obtenu F, 4, 4, Newton, 4, P. Donc, c'est la même chose. D'après les conditions, sens opposé. Il y a dit de G vers le bas, de G vers le haut, ou bien de A vers le haut. De A vers le haut. غادي نمشيو غادي نجيو لهنا ميم لين داكسيون، يعني غادي نشوفو ممكن نقولو لا لين او بيان 3 1 2 3 2 لين داكسيون لين داكسيون ممكن نقولو لا دروات اج جي لا دروات اج جي لو بوان دابليكاسيون لو بوان d'application. Et ici le point de contact entre le fil et le ballon, c'est A. Et notre thème c'est bien le korawa al-khayt. Représenter les deux forces F et P dans le schéma avec une échelle 1 cm pour 2 newtons. Il donne باش نمثلو la force kersna de chaque force, les caractéristiques de la.
Pour cela, on a déjà déterminé les caractéristiques de chaque force. إذا بالنسبة للتمثيل غادي نمثلو بي هي الأولى بي غنحترمو هاد المميزات بوان دابليكاسيون هو جي لا لين داكسيون يعني لا فيرتيكال باسون بار جي غنرسمو الفيرتيكال ها هو وهذا لو سونس دو جي فيغ لو با ولكن يعني فين غادي نحط لا فليش واش هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا يعني لانتونسيتي بي كتساوي 4 نيوتن وغادي نستعملو هاد السلم هذا يعني 4 نيوتن كتعطينا 4 نيوتن غادي نبدلوها ب 2 سنتيمتر وبالتالي غادي نبدا من جي من لو بوان جي وغادي نعبر 2 سنتيمتر حتى لهنا وغادي ندير لا فلاش ديالي هكذا كوم سا وغادي نسمي هاد لا فورس هي ممكن نمثلوها بهاد اللون هذا الاخضر وغادي نسميها لو بوا هكذا مزيان دابا غادي ندوزو للتمثيل ديال لا فورس اف ميم لو بوان دابليكاسيون سي هو ا ميم لين داكسيون يعني لا دروات AG هي غادي خصنا دابا لو بوان دابليكاسيون سي لو بوان A إذن غادي نعبرو كذلك 2 سنتيمتر وغادي نحط لا فليش ديالي هنايا ها هي كوم سا هكذا وندير السهم ديالي وهنا غادي نسمي هاد لا فورس هي اف اذا وبالتالي هنايا دونك درنا التمثيل ديال لي دو فورس اذا ندوزو للتصحيح ديال سات كيستيون Quelle est la masse du ballon sur la Lune? Justifié. Et donc, quand vous savez la masse, ne change pas. Si on change la position ou bien le lieu. Donc la masse ne change pas. Car il ne représente car il représente car il représente la quantité de matière la quantité de matière du corps. Yani ne dépend pas de lieu. Ne dépend pas de lieu. يعني واخا نديو حتى لا لون ما عندهاش في لا لون في نامبورت كيل ليو لا ماس ريست انشونجابل اون باس ا لا كوليكسيون دو ليكزارسيس 3 او كور دون سيونس دو تي بي ان ايليف ا تراسي لا كورب سي تشو فوالا لا كورب لو بوا اون فونكسيون دو لا ماس لو بوا اون فونكسيون دو لا ماس اي تروف اون فونكسيون كي باس بار لو زيرو C'est une fonction linéaire de la khatiya, c'est-à-dire le poids et la masse sont proportionnels. Pourquoi l'élève peut-elle affirmer que le poids et la masse sont proportionnels? Ici, la courbe
présentant des variations de P en fonction de M de la masse est une droite qui passe par le zéro. C'est-à-dire l'origine ainsi P et M sont proportionnels. On passe à l'exercice, à la question 2. Déterminer graphiquement le poids d'un objet de masse M égale 550 grammes. Alors, donc, on a M égale 550 grammes égale 0,55 kilogrammes. Et on a dit que la courbe fin est à 0,55. On dit la projection sur la courbe. On a dit que le poids c'est sur le graphe P égale 5,5 newtons. C, on trouve graphiquement la masse d'un objet de poids égal 3,5. Donc ça c'est la même chose, c'est la question renversée. P égale 3,5. On fait la projection sur la courbe et on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses. On trouve que la masse égale 0,35. On lit sur le graphe la masse M égale 0,35 kg égale 350 grammes. Et bien là, d'une joule le poids 3,5 newton il y a de la valeur on va dire l'escalade c'est là l'intersection de la courbe on va dire l'obtenir on va dire la valeur de la masse et bien on passe à la question D, rappeler la relation qui dit P et M, il calcule la valeur. Donc la relation c'est P égale M fois G.
et calculer la valeur de l'intensité de pesanteur, c'est-à-dire G égale pi sur m. إذا غادي ناخدو واحد لا فالور هنايا هادي أولا هادي، إذا غادي نعطي جي كتساوي بي، ناخدو هاد لو بوا 3,5 نيوتن ديفيزي بار لا ماس كوريسبوندونت لي هي 0,35. إذا أو بيان ناخدو هاد لا فالور لي لقينا في اللول لو بوا 5,5 et la masse 0,55. C'est la même chose. On a kilogramme et on a atteint 10 newton par kilogramme. Et voilà la fin de la correction. Et on espère que vous avez compris ce qu'il y a. Si vous avez des questions ou commentez la vidéo. ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة مع الجرس باش يوصلكم الجديد.